servirait ça au passage. Tous et à toutes, je suis Alice, aujourd'hui nous allons poursuivre notre feuilleton préféré, Phoenix Wright Ace Attorney, Trials and Tribulations. La dernière fois dans la phase d'enquête qui aura été d'une petite heure et demie, parce que c'est assez poussé les enquêtes dans ce jeu, n'est-ce pas, nous avons découvert pas mal de choses, principalement la boîte où travaillait la victime Mark Ram, qu'il avait des problèmes financiers qui pourraient nuire à son argent, mais qu'il était l'auteur d'un virus informatique nommé MC Bomber. Donc, le CD que nous avons trouvé sur le lieu du crime n'était pas un CD d'une musique, mais d'un virus qui vaudrait plusieurs millions d'euros. Ce qui voudrait dire que il n'aurait pas été tué pour le billet de loterie, mais pour le CD. Ensuite, nous sommes allés voir la société Sa Dépouille, et ça, je sais plus comment ça s'appelle, Sa Dépouille, je m'en fous. Où nous avons retrouvé notre jumeau maléfique qui s'appelle en fait Furio Tigre, alias le Tigre, et Violetta, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est la petite fille d'un cartel de la mafia. Et qui aurait souffert d'un accident, et par la force des choses, nous aurions appris que cet accident a été perpétré. Enfin, ça, la cause de l'accident aurait été le scooter de Furio Tigre, que sous la menace du parrain, je ne sais plus comment il s'appelle, il aurait sauvé la petite fille et payé la dette, mais à hauteur d'un million d'euros. Et Violetta, croyant en la ferveur. Pensant que Furio l'a sauvé, a décidé de l'aider à rendre la dette. Et aujourd'hui, nous allons prouver de 1 que Maggie l'oiseau n'était pas responsable, de 2 que il y a un mois, c'était pas moi qui ai défendu Maggie l'oiseau, et de 3 la véritable identité de l'empoisonneur. Et j'ai ma petite idée là-dessus, et vous aussi, je pense. Et j'ai oublié, si vous pouvez faire pause et vous munir une tasse de café pour le final de ce procès. J'ai une petite tasse à côté de moi et vous profiterez de mes ingurgitations de café parce que Godot est classe. Même Godot est prêt, il a le café. Par contre, je vous rassure, je n'ai pas 17 tasses, je n'en ai qu'une seule.
Voilà, il y avait ça aussi qui était étrange. Aussi ça, beaucoup d'éléments qui se contredisent. Et là, nous avons une magnifique photo, donc ce qui voudrait dire qu'il tenait la tasse de la main gauche, le billet de la main droite, mais écoutez de l'oreille gauche. Cela est assez incroyable. Ah, permettez-moi de vous faire une explication, votre honneur. Voyez-vous, le monde tourne, et nous autres humains devons tourner avec lui. Ne laissez pas le mystère dire vous mystifier aujourd'hui. Seuls les sots se laissent impressionner de la sorte. Il faut évoluer avec le temps. C'est une de mes règles. Vous connaissez les réponses à ces énigmes ? Le vieux ne faisait que lancer des graines. Il nous induisait en erreur. Ne faisait pas cœur. Et aujourd'hui, je vais le prouver. Je reste en fixette sur cette musique de Godot qui est délicieuse. Je pense que c'est ma deuxième OST préférée de ce jeu. Et tout le volet confondu. Ah, on commence avec lui. C'est pas moi qui l'ai dit, ça fait deux fois que le jeu nous le dit. D'ailleurs, je n'ai toujours pas entendu le thème de du Core Node. Alors d'ailleurs, les musiques épiques, c'est Core Node, ce n'est pas Pressing Pursuit. Pressing Pursuit, c'est le nom de la musique, mais Core Node, c'est le thème musical. Je sais pas si c'est bien précis ce que je viens de dire. Pour moi, c'est précis. Alors, que s'est-il passé? Avec doux plaisir. Obellissima. Vivons du café. Un miroir inflétable. Ça se tient, franchement. Très franchement, ça se tient. Troisième tasse, Godot, je crois. J'attaque pour le moment parce que je vois pas où présenter l'épreuve. N'existe pas. Ah, je m'en fous. Ça par contre, intéressant. Voilà, il me faut une taille. Tiens, mais waouh, sérieux, 4 sur 2, bah putain. Moi non plus. Bah ouais. Moi j'insiste. Objection. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il a raison.
J'ai pas dit ça, j'ai pas du tout dit ça. Arrête de changer mes mots, toi. Ah, il se poursuit la bite, c'est bien. Je teste des choses. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi mettre. Aha. 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 Je sais pas quoi mettre, je ne sais pas quoi faire. Réfléchissons, il faut de la réflexion. Ah bah non, mais attends une seconde. Profil. Gauche, donc il aurait vu de l'homme. Donc c'est vrai. Je vais tester un truc. Je vais tester un truc. Ouais, moi ouais, parce qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Ouais, gauche. Ok, il y a un problème, ouais. Il y avait un problème. Voilà. Normalement. Alors il y a un truc qui va pas. C'est bien ce que je pensais. On est d'accord. Godot, peut-être une solution.
Ah d'accord, maintenant c'est à cause du témoin. Ses lunettes. Oui, ça. Putain, deux cafés en une minute, c'est chaud. Troisième café? Non, c'est le même café, je dirais. Pas du tout. Oh, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. J'en sais rien. Ah bah il va nous expliquer. Ah, t'as bu 3 cafés en 2 minutes, c'est chaud mec. Ok. Enfin, le plan du restaurant. Alors, tout le monde il est bien assis. Ok. Là, c'est trop mignon, le restaurant comme une maison. Ok. L'enjeu d'acting n'est visible que d'une seule place. Oui. Le siège situé près de la table d'acting dont Olivier est assis. Ok. Et là, c'est le miroir pour qu'il ne gêne pas. C'est tout. Genre c'est moi. Genre vraiment? Objection. Ah 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 ah, c'est drôle, Godot. D'accord. Je doute un petit peu. Ouais mais non. Non, non, calme-toi. Calme-toi. Ouh, humanisation du café. Et tu l'as mis où? C'est bon, calme-toi. Thank you.
Je teste un truc. Je teste un truc, attention. C'était pas ça. Bien joué, trou du fion. Non. Dommage. Bon, bah attaquer plutôt. On va plutôt attaquer, ouais. Oh, tu m'énerves, bah, c'est vrai qu'on nuit. Comment prouver qu'il n'y avait pas de miroir? C'est une très bonne question. Attends. Putain mais oui. Oh le con. Ah oh, je suis stupide. Objection. Je suis mais stupide. Stupide. Oh putain. C'était évident, merde. Oui. C'est trop con. Alors je vais m'expliquer. Normalement, bah, je vous dis trop tard, ouais. Kudo a dit que lorsque la victime s'était évanouie, en fait, il avait cassé un vase. Parce qu'il était sursauté. Donc si techniquement, sur le plan, il était là, le vase devrait être brisé. Or il ne l'est pas. C'est ça qui va pas. Je suis stupide. Je suis stupide de ouf. Elle est où? Non, pas là. Non, on vient en preuve. Voilà. Prends ça. C'est ça, putain, je suis trop con. Je suis tellement con. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas content, ça y est. Oh, tiens. T'as vu le faire dans ta rose. Ah, continue. Ça constitue un problème. L'ordi ralenti, c'est trop bien. Enfin, l'émulateur a ralenti. Ah, ça y est. Bois du café, ça va te faire du bien. Mais sniff, sniff. Sniff, sniff, petite goutte. Effectivement. Je sais que je vais m'en sortir, ne t'en fais pas. Cette contradiction est aisément facile. Je
pour je sais pas. Oh putain. Non. Non. Ce serait trop gros, non. Monsieur Goulon ne s'est pas trompé, ça il est sûr. Lord Torino, c'est comme... La victime en était pas une dans ce cas, si c'était pas la victime. Je ne sais pas, je ne vois pas. Je ne comprends pas. Si vous entendez du bruit extérieur, c'est normal. Ça y est. Ça y est, je crois que j'ai compris maintenant. Godot aussi vient de comprendre son Dorothy. Ouais. Oh, ça parle mal. Allez, à boule, la vérité. Bien, on va pouvoir parler franchement. Et ça, c'est beau. Ça, c'était une porte qui se claquait. Ça. Donc ça déjà un foutage de gueule. T'es gentil, mais il avait un petit peu la manie de dire de la merde.
Vous entendez plein de bruit extérieur, le professionnalisme survint. Un détour, pas deux. Très drôle, pas deux. Oui. Dis-moi, pas l'heure qu'il était, on s'en fout, combien de temps après? S'il y a une séquence qui dure un peu longtemps, c'est parce que je parlais avec des gens. Toujours un professionnel. Ça, c'est la qualité de mes vidéos, toujours le professionnalisme. Ok, mais il y a un problème. Il y a un gros problème. Mais il était pas faux, sans là. Très belle allusion au café. Réfléchissons, il faut trouver la faille. Trouver la faille. Attends. J'ai pas attaqué l'autre possibilité. Quelle heure était-il ? Il y a un truc qui va pas. Quelque chose qui ne va pas. Ouais, il y a un truc. Non. Non, monsieur l'arbitre, c'est faux, il y a un truc qui va pas. C'est faux, il y a un truc qui va pas.
Parce que s'il arrivait juste après 14h. S'il arrivait juste après 14h. Et que Ram, qui écoutait la radio, donc la loterie, t'exaltait juste avant. Il y a un problème. Non, non, non. Objection. Oh, j'aurais raison. Voilà, voilà. Alors, où je veux en venir, évidemment. Voilà. Ouais, il y en a une, ne t'en fais pas. Voilà. Tu laisses qui comprend. Ça y est. C'était un imposteur, évidemment. Évidemment. Et ouais. Objection. Ça se tient. Feuille impressionnée, je prends ça comme un compliment. Ah ah. Évidemment. Évident, évident. Oui. Arrête de boire ton café, putain. Dans le cadavre. C'est vrai que ça se tient. Il est vrai que ça se tient, il est vrai que ça se tient. Pas de conjecture, très bien, très bien. Une preuve, voyons. L'extérieur, non. À l'intérieur, je pense qu'à l'intérieur, c'est le tien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Très franchement. À l'entrée, non. Cette salle-là, non plus. Les cuisines. Ça me semble plus logique. Ah, et c'est là qu'intervient le petit flacon. Prends ça. Dommage. Dommage. Quel dommage. Dommage. Il n'y a pas d'huile essentielle, mais un médicament. Et oui. Ah, Godot. Si. C'est dommage. Ah bah oui, ah bah c'est bizarre ça. C'est très très la bizarrerie.
Et oui, ah, le deuxième breakdown, sa breakdown à mort. Son breakdown n'est pas très intéressant. Il est un peu nul même. Non, c'est pas lui qui a tué Marc. Ah, Godo s'énerve. Godo a pété un câble. L'amertume. À chaque fois qu'on me ment, je me paye une grande tasse de café. C'est un de mes principes. Je te rabats 14. Et après, je fais pareil au menteur. Je le fais à grand fort de tasse, mais vite. Écoutez-moi bien, le cuistot. Si je vous faisais goûter un truc tout nouveau. Je ne vous poserai la question qu'une fois. Est-ce que vous avez fait le coup? Très bien. Écoutons. Vous avez une dernière chance. Ok, papy. Je suis mis dans la tasse de Godot. Très fort, très très beau. J'aime ça. C'est parti. Je pense que après. Nouveau témoin. Ah, je le savais. Ah ah. Alors. Un homme, il m'a forcé. Très bien. Apparition magie, tu savais pas, mais on t'a caché parce que ça va être facile. Non, le véritable assassin, je sais qui c'est, mais je suis désolé, ce n'est pas celui auquel on pense, mon petit Wright. Quel homme? Qui était-ce? What is it? What is the trigger? Et c'était quoi la raison? Moi je sais, moi je sais, moi je sais. Je pense que là, c'est facile de savoir. Voilà, c'était easy à deviner. Un million de dollars. Elle a emprunté. Enfin, il a emprunté. Et c'est là qu'on présente notre cher ami le furieux tigre qui normalement se trouve ici, mais on s'en fout. Et prends ça. S'bla. Ça y est, c'est la révélation. Les tigres.
crois qu'il est maintenant temps. Claire que a forcé la main. Ouais. Godot. Alors. Ah. 30 minutes, pardon. Une demi-heure pour un demi-million. Ok. Oh mon dieu, ce cliffhanger. Trop de suspense, t'as vu? La petite musique, par contre, qui te déstresse à mort. Eh bien, là, nous savons enfin que l'avocat mentait depuis le début. Donc, Maggie avait raison sur toute la ligne. Et ça, c'est beau. Notamment que c'était un gros enflure. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui aura été moins longue que la dernière, qui aura duré une demi-heure, sauf que là je pense qu'on est autour de 50 minutes, ce qui est déjà pas mal. Je vous invite, si vous aimez cette vidéo, à mettre un petit like dessus, à la commenter, à regarder mes autres vidéos si c'est la première fois que vous me découvrez, ou bien si c'est déjà fait que vous appréciez le contenu, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter en @Rayus1. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.